Je suis Riffin Nounou, entrepreneur et directeur général de MacChips. MacChips est une entreprise de transformation des fruits et légumes en chips naturels. Nous l'avons créée bien sûr suite à la hausse des taux d'importation des chips faits à base de matières chimiques. Nous sommes dans la permaculture où nous transformons la pomme de terre, les taro, les bananes plantain ainsi que la patate douce. Et donc notre vision présentement d'abord c'est de devenir une référence de production de croustilles d'abord en RDC à court terme et en Afrique à long terme. La raison d'abord primordiale qui nous a poussé à postuler à ces concours, c'est d'abord pour semi-industrialiser notre entreprise, mais aussi non seulement accroître notre secteur de production en semi-industrialisant l'entreprise, mais aussi donner encore beaucoup plus de l'opportunité à ces Congolais et Congolaises qui manquent de l'emploi. Parce que là, on parle d'une perspective de plus de 100 emplois qu'on va devoir enregistrer, ne serait-ce que pour cette dotation en fait, du fonds Pierre Castel.